Amis, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Donc, on va continuer sur le jeu Cashier Simulator. Et là, on va ouvrir notre magasin. Donc, j'ai un petit peu augmenté le chiffre, hein. Maintenant, on a 411 $. Mais j'ai pas encore acheté d'autres étagères, hein. Je voulais faire ça avec vous pour acheter les nouvelles étagères. Donc, on va ouvrir notre boutique. Donc, on est resté ici, hein. Donc, à part que j'ai augmenté notre chiffre d'affaires. Enfin, et là, on va acheter une nouvelle étagère pour le mettre ici. Donc là, il y a un client. Donc, voilà, il veut 8. Alors, c'est 8 et 12, 20, 23. Allez, c'est vrai qu'il faut savoir compter, les gars, dans ce jeu. Donc là, on va pouvoir acheter une nouvelle étagère, comme ça sera fait, parce que ça nous coûte 135 $. Après, c'est 145 $. On pourrait, mais on va attendre encore un petit peu. Attends, je vais. Oula. Attendez. Il veut quoi de 7 $ plus. Là, j'en ai plus là. Donc ça fait, je crois que c'est ça, 14. Ouais, c'est ça, c'est 14 et 12. Non, c'est 14 et 11. 14 et 11, 25. Et truc vert, 25. Oula! 25, 25 et 5, ça fait 30, 5, 6, 7, 32. Et oui, ma façon de compter, c'est bizarre, hein. Mais bon, 32, j'ai dit, hein. C'est ça? Je sais plus. Attendez, il veut quoi là? Et ça. Ouais, c'est 14 et 11. 25, oui. 25 et. Non, 14 et 7, ça fait 21. Non. Là, voilà, 25. Voilà, je sais plus. Et Coco, aidez-moi. 14 et 11. Ça fait 25. 25. 25 et 5. Ça fait 30 plus 2. 32. Ouais. Ok, c'est bon. Allez. Donc, on a une nouvelle étagère qui est pizza pour 18 $. J'espère qu'elle est, ouais, elle est aux quatre fromages. Ben, c'est parfait. Personne ne veut ma petite pizza. 14. Les chips, j'en ai plus. 14 et 2, ça fait 16. Attendez, 14, oui, 14 et 2, 15, 16, oui, ça fait 16, plus la salade. D'accord. Alors, 13 et 7, 20, plus 1, 21, 23. Allez. Ah, je sais que ma méthode de calcul,
Mais quand ça sera avec les quatre articles, voilà, bon, je vous l'ai dit, il y a. Pour l'instant, c'est pas déjà trois, c'est chaud. En plus, j'ai mis de l'air conditionné. Ah non, j'ai pas allumé. Il fait chaud en plus. Attends, on va allumer l'air conditionné parce que ça va rafraîchir un petit peu mon cerveau là. Oula, il veut quoi? Une pizza. C'est bon, la pizza. 18 euros. Pas 18 dollars. Oula, 18, attends, ça fait 8 et 8, 16. Ça fait 26. 20, moins 1, ça fait 25. 18 et 7, ça fait 25. Et 14. Oula. Attendez. 18 plus 14, donc ça fait déjà 28, plus 2, 30, plus 2, 34, 32. Non, attendez, 18. 18 et 10, ça fait 28, plus 2, 30, 32, ça fait déjà 32. 32 plus 7, 39. Voilà. Voilà. Si j'ai pas un like et un abonné, je te jure, j'irai me confesser. Hein. Ouais, il faut savoir compter là. Ah, il veut quoi lui? Oh, là, 18 et 13. Parce que 18 et 13. Donc ça fait 18, on va dire 18, donc 18 plus 12, ça fait 28, ça fait 30, 31. Trente-neuf, parce que le yaourt aux fruits, ça fait 8. Ça fait 39. Allez. Donc allez, on va rajouter une nouvelle étagère, juste pour le fun, afin de savoir si je sais compter. Après, je n'ai plus d'argent. Là, c'est à 5 dollars. C'est pas trop cher, attendez, c'est quoi ça? C'est du jus. Putain, 5 dollars. Bon, heureusement qu'il y a trois articles. Donc, schiste. Les schistes, les schistes. Ah non, j'en ai plus. Ça peut être 12. 12 et 14, ok, 4. Et 2, ça fait 6, ça fait 26. 26, vingt-six, 27, 28, 29. Attendez, oui, c'est ça, c'est 12, 12 et 14, ça fait 26. Et 26 plus le gâteau qui coûte 26, 27, 28, 28, 29. 29. Et j'ai plus d'argent. 29. Allez. C'est bon. Là, il faudrait que j'arrête d'acheter là. Et il reste encore. On va dire encore une, deux, trois étagères, on va dire. On va essayer de les faire à trois étagères, mais ça m'étonnerait. Parce que là, trois étagères, ça va être trop long, hein, parce que bon.
enfin trop long, c'est 2, ça fait 5 et 8, ça fait 8, 10, 13. Voilà, c'est facile. Heureusement que mes profs de maths, ils sont à la retraite, hein. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'ils sont encore là. Il y a encore, peut-être qu'il reste encore 3-4 profs sur 10 qui sont là. Mais bon, je suis méchant. Bon, attendez, il veut quoi? La salade et gâteau. La salade. Ça fait 7, 14. Là, c'est facile. 14 Attendez, 7 et 7 et 14. 25. Là, c'est facile. 25 dollars. Donc, je voulais dire que demain il y aura la suite du chip Grandfeuillard 2 qui aura demain matin. Parce qu'en fait, il n'y a pas eu de crash. Donc, ils sont réparés lors des mises à jour. On verra pour le prochain bateau s'il y aura le crash ou pas. Mais attendez. 18. Donc, ça fait pizza, ça fait 18. Oula. C'est compliqué ça. Et 7, ça fait 18. 18 fois 2, 18 plus 18, ça fait 36. Attendez, mais 36, ouais. Parce que la pizza, ça fait 18. Et ça fait 7. Et ça fait 11, ça fait 18. 11 et 7, ça fait 18. Fois 2, ça fait 18. Donc ça fait 36. Et comme je dis, heureusement qu'il n'y a pas un petit temps, parce que là, s'il met du temps, il reste 20 secondes avant qu'il parte, alors là, j'aurais pris la calculatrice, hein, parce que là, attendez, il veut quoi là? 2 euros, ouais, c'est facile. Yaourt. Yaourt, ça fait 8. 8 et 2, ça fait 10. Attendez, ça fait 8 et 10 plus 14, ça fait 24. Et la prochaine étagère, c'est 155. On va essayer de faire ça. Ah, je peux. On va essayer de faire au moins une étagère sur cet épisode. Parce que je pourrais pas faire. Sinon, on mettra 3 heures pour faire. Déjà, j'ai du mal à compter 3 articles. Alors, je te parie que quand on arrivera là, il y aura 4 articles. Voilà.
Bonjour les neurones. Donc là, c'est 2, 3. Ah, cette chip, c'est 2. Pepsi, c'est 3. Donc 2 plus, ouais, donc 3. Ça fait 5. Plus le yaourt aux fruits, là. Ça fait 8. Donc 8 et 2, ça fait 10 et 3, 13. Voilà, ça, j'ai fait ce jeu parce que ça me détend, parce que j'ai passé au moins 6 heures à faire chip graph verte 2. Donc bon, je sais que c'est long. Et ben, comme ça me permet de faire un petit jeu à la cool. Et bien entendu, on fera aussi du bus. Hein. Donc ça fait, là, ça fait 18. Alors, 18 plus 9, ça fait 8. Donc ça fait 8 et 8 et 16. Ça fait 26. Plus la salade. 7. Attendez. 8 et 8 et 16, 26. 26. Et 7, donc ça fait 26 et 4, 34, 30, voilà, attendez, 18 plus 8, ça fait, ouais, ça fait 30, 8, 8 et 16, 26, 30, 33. C'est bon. J'ai échappé, ben. Eh oui, je sais que ma méthode de calcul, c'est très très bizarre. Mais bon, c'est pour faire du buzz. Et comme personne n'a fait ce jeu en vidéo, on va dire qu'il n'y a que moi qui fais ce jeu. Parce que d'habitude, Full Family, il devrait le faire ce jeu, mais bon, c'est pas grave. Moi, je suis. Alors, attendez, celle-là, c'est ça, Kofi, et ça fait 9 et 11, ça fait déjà 20, ça c'est bon, plus 7, ça fait 27. Bon, là, c'est facile. De 126. Attendez, est-ce que je dois augmenter? Non, il reste. Ouais, mais bon. Parce que là, c'est 155. On va attendre encore un petit peu. Juste. Parce qu'après, j'ai peur que. Ouais. Ouais, c'est ça que je me suis dit. Parce qu'après, il reste un là. 13. 6. C'est là. Donc ça fait 13 et 13. 26. Moins 1, ça fait 25. Ça fait 30. Mais ça peut être 13 et 12. Attendez. Je suis paumé là. Attendez, non, il veut quoi là? C'est là, ça peut être 13 et 6. Ça peut être 12. Donc 13 plus 12, ça fait 25.
plus 5, 30. Ouais, on va acheter comme ça. Après, on va s'arrêter ici. Enfin, allez. Parce qu'après, c'est 165 dollars. Ça va être chaud là. Mais on va. Ah, là, c'est du lait là. Pas du milkshake. Enfin, du lait. Ah, 15 dollars. T'as acheté genre 15 dollars plus 15 dollars. Attendez, ça. Salade. Attendez, il veut quoi? Salade et yaourt. Et. Donc 7 et 7, 14 et 15. Ça fait 15. Et 20. Je te jure. Alors, est-ce que je préfère ce jeu ou Trader Life, qui est pas le même, hein? Enfin, c'est le même principe, mais Trader Life, c'est plus facile parce que, bon, Trader Life, c'est à nous de ranger les produits et non la caisse. Et là, on fait juste la caisse. Donc c'est pas la même chose. Mais alors pour ceux qui sont matheux, je vous conseille. Hein. Alors pour ceux qui savent pas compter, ne l'achetez pas. Hein. Alors je... Attendez, shit. Ça peut être 12 dollars, j'en ai encore 12. 12 et 14. 12 et 14, ça fait quoi? 4, 5, 6, ça fait 16. Plus le... Oula. Attendez, 7 et 4, ça fait 11. Attendez, attendez, oh là, je suis paumé là, attendez, attendez. 7. Cleaner, ça fait 4. Plus le paquet bleu, ça fait 7, ça fait 7 et 4, ça fait 11. Et le 6, 11, ça fait 23. On va essayer de faire encore une étagère, voire deux. Ah, alors lui, il a vu quoi là? Là. 18. 18 et 4. Voilà. 18 plus 14. Ça fait 18 plus 10, ça fait... Ah, attendez, 18 plus 12, ça fait 30, plus 2, ça fait 32. Et la salade, 32, hein, je dis. 18 plus 12, ça fait... Oula, je suis paumé là. 7. Alors... 7 plus 4, 7 et 14, ça fait 21. 21 plus 18,
21 plus 18. Oh, attendez. 18. Attends, il veut quoi déjà? 18. 18 et. Voilà. 7 et 14. Ça fait 20, ouais, 21. Plus 8, ça fait 29. Ça fait 39. Allez. Alors, en fait, il faut savoir compter et puis aussi, il faut savoir s'en souvenir de 39, j'ai dit. C'est ça? Allez. Ouais, c'est ça. En fait, il faut s'en souvenir que pour lui, c'est plus savoir compter. Donc, attendez. Et savoir aussi. Déjà, ils sont rapides, donc. Alors, Pepsi, ça, c'est facile. Donc, ça fait là, ça fait 8. Non, 3, 3, 3 et 6. Parce que ça fait 3 et 3, 6 plus 8. Si je me souviens. Non, ça fait 12. Ouais. Non, c'est 12. J'ai 6. 12, 15. Et 15 et 3, 15, 16, 17, 18. Allez, c'est bon. Je te dis, ça commence à fumer, hein, mes neurones. Hein. Là, c'est chips, c'est 2 euros. Et coffee et. Oula, attendez. 2. 2 et 9, ça fait 11. 11 et 4, ça fait 15, 25. Si avec ça, j'ai pas 3 abonnés, je te jure, moi je change de métier. Hein. Je reprends Zubus. Hein. Lol. Alors, il reste encore un, 13. Alors, ça c'est facile. 13 et 7. Attendez, il reste encore 1. Donc 13 et 7, 20, 28. Donc là c'est facile. Je comprends pas, il reste encore une scène et pourtant il a appris ce que je sais vraiment. Attendez, s'il prend la salade, est-ce qu'il reste? Ah non, il reste plus la salade. Faudrait. C'est bon, il a pris la dernière, il a pris le dernier paquet. Donc ça fait 13, 13 et 7, 20. 13 et 7, 20. Et le coffee, j'en ai plus. Attendez, à moins qu'il ait pris le dernier. Mais de toute façon, comme ça, j'aurai un sec. Alors, 13 et 7, 20 et 9, 29.
Je sais pas si je pourrais acheter les deux étagères. Parce que là, ça fait... Ouais, onze plus 13, ça fait 25. Et paquet bleu, 25, voilà. Attendez. Et 13, ça fait 13 et... Donc 13 et 7, 20. Vingt et onze, 31. Allez, on va essayer. Attendez, ça coûte combien l'étagère déjà? 165. Allez, on va essayer faire quand même cette étagère. Juste pour cette vidéo-là. 11. 11 et 7. Attendez, déjà j'en ai plus là. Ça fait 11, attendez. 11, 4, ça fait 11 et 4, ça fait 15. Attendez, 7 plus 3, ça fait 10, 11, 11 et 11, 22. On va essayer quand même aller acheter une nouvelle étagère. Mais là, pour l'instant, ils sont pas encore pris du lait. Hein. Les coquins, j'ai acheté cette étagère pour rien. Donc attendez, but 14. Non, attendez, 18. Plus 8. Donc ça fait 8 et 8 et 16. 8 et 8 et 16, ça fait 26. Plus le coffee. Attendez. 8 et 8 et 16, plus 10, ça fait 26. 36, moins 1, 35. Alors, il faut savoir additionner, soustraire et multiplier dans ce jeu. Et heureusement qu'on n'a pas encore à diviser. Hein. Diviser par deux. Lui, il veut quoi, le cobaye? Il peut pas venir. Il peut pas commander plus simple parce que là, 13. 13 et 18 et 14. Voilà. C'était. Ouais, donc ça. Donc ça et ça. Ça fait 18. Ça fait déjà 28. 18 plus 10, ça fait 28. Plus 2, 30. Plus 2, 32. 32, 32, 32, plus 3, 35, plus 10, ça fait 45. Wow. Mais bon. Tu as trois articles, c'est trop. Je te parie que comme je vous ai dit, quand on va arriver là, ça va faire 4 articles. Alors là, bonjour les dégâts. Normalement c'est 3 et normalement c'est 8. C'est la salade. Donc là, ça fait 8. Il reste 8.
8 et 3, ça fait 11. 14. Parce que... Ben, 8 et 2, ça fait 10. 11. 11, 14. Attends, si je fais ça, on peut faire un infini là. C'est bête. J'ai dit quoi? 14? Là, c'est 223. Ah, un pourrage, mais bon. Donc là, c'est facile. C'est 3. Étant donné qu'il reste quoi, il reste du coca. Enfin, du Pepsi. 3. Et ça fait 5, 6, 7. 4 et 3, 7. Puis on c'est pas cher. C'est pas cher. Hein. Il est venu pour rien, lui. Il est venu pour 7 dollars. Tu peux revenir quand tu auras pris. Une pizza 18 dollars et du lait surtout. C'est bon pour la santé, le lait. Mais personne ne prend du lait ou quoi? Dans cette ville ou quoi? Oula, il y a ça, plus ça. Oula, c'est donc ça peut être... Ça. Attends, ça peut être 14. Ça fait 25. Allez, 25 et 30. C'est bien quand c'est rangé comme ça, mais j'aurais préféré ranger. Par moi-même les étagères. Comme ça, moi, je classerai par l'ordre. Les bouteilles de jus de fruits avec les smoothies ensemble. Parce que là, comme dans le Trader 9. Donc là, c'est facile. Enfin, je dis ça, mais deux schistes. Est-ce qu'il me reste deux schistes là? Ouais, c'est bon. 12 et 12. 12 fois 2, 24. 24, 24, 28 et 27. 12 et 12. 12 et 12, 24. Plus 4, ça fait 28. Moins 1, ça fait 27. Tac. Ouais. Bon, ouais, est-ce qu'on... attendez, est-ce qu'il manque quelque chose? Parce que... Là, c'est 48. Ouais, je sais pas, ça va. Attends, on va attendre le prochain, puis après on va acheter une nouvelle étagère. Là, c'est 2. Ça fait 5. Et attendez. Ça fait 12. Ouais, c'est ça, c'est 3 là. 7 et 3, 10 et 2, 12. Je vais attendre le prochain, juste. Pour savoir, parce que s'il prend ça, ça fait 40. Ouais.
Ça fait 40 $. Oula. Donc, ça, c'est voici, c'est coffee. Coffee yaourt. Ah, j'en ai plus. Ben, je crois que il a pris le dernier, mais bon. Et même ça. Ouais. Donc, il veut quoi déjà? Coffee 8 et 3, 11. 8 et 3, 11, ouais. Et 11 plus 9. 8 et 3, 11 et plus 9, ça fait 20. Attendez, il reste. Ouais, c'est bon, on va racheter une nouvelle étagère et puis après on va s'arrêter ici. Parce qu'après c'est 175 $, je ferai ça en voix off pour augmenter le chiffre. Et le. T'as 3 $, c'est tout. Et ça, c'est quoi? C'est de l'eau. Mais ouais. Et après, normalement, ouais, ça sera cette façade-là. Donc, on a fini cette façade-là. Et la prochaine fois, ben, on fera cette façade-là. Puis après, on va s'arrêter ici. Peut-être que ça sera encore une vidéo, voire deux, trois vidéos. Ça dépend. Ça dépendra. Combien j'ai en tout et combien coûtent bien sûr les étagères. Attendez, alors ça c'est 18. Alors ça c'est putain, ça coûte 18 plus schiste. 18 plus 12, ça fait 20, ça fait ça, 30. Plus le coffee là, 30, ça fait 39. Donc, ouais, à mon avis, on va s'arrêter ici. Parce qu'après, ça va être l'étagère se trouvera ici. On verra ça à la prochaine fois. Mais attendez, on va continuer comme ça. On va prendre une. Comme ça. Ouais. On fait le dernier et on s'arrêtera. Lol. Parce que le prochain, c'est combien là? Le prochain, c'est 175 $. Ouais, c'est encore 100 $. Du lait. 15. Et deux yaourts. Ça fait. Oula. 8 et 8 et 16. Ça fait 8 et 8 et 16. Ça fait 26 plus 5, 26, ça fait 31. Ouais, 31. Bon, allez, on va s'arrêter ici, les amis. Parce que là, les neurones, ça chauffe là. Donc on a acheté quand même ça, le lait, enfin le lait, ça et le jus de fruits. C'est déjà pas mal, non?
Et après, on va attaquer cette façade-là. Bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, hein, vous connaissez la chanson. Et puis moi, je vous retrouve très prochainement. Voilà. Donc peut-être que ouais, on verra. Et si je mets Shipcraft Yacht 2 hier ou demain, je sais, ça dépendra. Ça dépendra. Ouais. En tout cas, on continuera quand même le Shipcraft Yacht 2, la suite de l'épisode de hier ou demain. Enfin, vous allez voir ça dans l'avenir. Donc, abonnez-vous, likez et commentez et partagez. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!